tous les joueurs avec qui je joue, je pense que c'est l'un des plus impressionnants en online. Je trouve tellement fort en online. Il est fort en off aussi, hein, il a battu Mozai, mais je trouve qu'en online, il est trop trop fort. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Merci, Aura. On a Anturoad qui est grave chaud aussi. Melion, il est fort. Aussi. Polochon, ça va vraiment... Polochon, ça va vraiment faire mal. Polochon, il est seed 2 du tournoi. Et il est seed 2 en ayant battu Raflo. C'est un petit Pichoun de 14 ans. Pichoun de 14 ans, joueur exceptionnel. Qui joue Min Min et Wario. Et qui joue aussi Mister Game & Watch. Donc je sais pas... je pense que dans les tournois online, quand t'es un joueur vraiment fort, je pense que tu joues pas ton main directement. Donc il y a peut-être moyen qu'il joue pas son main directement et qu'il soit en mode « Oh bah tiens, viens, on va chill. Viens, on va chill, on va jouer autre chose. » Putain, ça s'est mis dans le menu. Donc voilà, et Mixed qui est chaud aussi, qui a gagné plusieurs fois des tournois, qui joue Lucina. Moi, ce qui me fait rire, c'est que si Staz bat Mixed, et ben on aura un Ditto Pac-Man pour le top 8. Et ça, ce sera rigolo. Ce sera très rigolo. Mais du coup, j'ai potentiellement deux Dadidou. Parce que Clédoni, il joue Dadidou. Et WSOX, il joue Dadidou aussi. Vous savez que Pac-Man Dadidou, c'est chiant, une dinguerie. Vraiment. Genre, Pac-Man Dadidou, le match-up, casse les couilles. Je connais pas Monet Bison. Je ne sais pas qui c'est. Il est site 5. Ah ouais, ça joue. Attends, mais c'est Kazer ce Monet Bison. Attends, mais... Un S dans la région de Felker. Ah ouais, non, ok. Ok, non, c'est un joueur, ok. Parce que un S dans la région de Felker... Un S dans la région de Felker, je pensais que c'était Kazers. Ok, ouais, il est chaud, putain, il est chaud, il fait des bons résultats. Il fait des bons résultats. Ok, bon, il y a du niveau, what the fuck. Trop bien. Trop bien. Ouais, il est chaud, putain. Il fait 5ème. Bon, il perd contre Felker, normal. Felker est vraiment très fort. Et il perd contre Phoenix, normal. Phoenix est vraiment fort aussi. Phoenix, c'est un très bon snake. Un très bon snake de l'Est. Donc voilà. Nous, je pense qu'on va se chauffer. Je vais juste me chauffer un peu parce que j'ai pas joué. Parce que je viens de me réveiller. Donc si quelqu'un veut venir dans l'arène pour venir me casser la gueule. Ta-da-ta-ta. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de tournoi online. Ça fait du bien. Ça fait du bien un peu de tournoi online, un peu d'excitation sur un mode où normalement on en a tout le temps rien à foutre. Ça fait plaisir, ça. Ça met bien un peu de... Putain, par contre, ça me terrorise de me dire qu'on va devoir ban des terrains, quoi. C'est toi de take. Putain, c'est vrai que j'ai joué mon Fox hier. J'ai joué mon Fox. J'ai les mains froides. Tu me fais geler en t-shirt. Ouais, j'avoue que là j'ai les cheveux mouillés et tout. C'est la nocive. Bah en fait, Pac-Man Dididi. Non mais Staz, va te faire foutre. Non mais va te faire foutre, Staz. Non mais je vais jamais me chauffer en Ditto Pac-Man. T'es complètement fou ce mec. Je vais là. Et je vais là, attends. Est-ce que quelqu'un peut join s'il vous plaît? Quelqu'un peut join pour jouer 088x1111. Non mais attends. Mec, il est là, première journée. Ok, friton, un petit Wario sympa. Un Wario bien fondies. Bien movements. Ça me plaît, ça. Un Wario bien movements. Merci Hugo. Ça me plaît. Oh putain, il faut jouer au jeu. Oh, les mains sont froides. Ouais.
C'est un truc de fou que j'ai pas de truc pour me... pour me chauffer les mains chez moi. Non, aujourd'hui ça va être un peu tryhard parce qu'en fait la journée de stream va durer tellement longtemps aujourd'hui que je m'autorise à ce que le début de stream je parle pas trop pour tryhard quoi. Dites-vous qu'il va y avoir du Among Us à 20h. Il va y avoir plein de trucs. Donc je m'autorise. Wow. Non, je m'autorise. Il va y avoir du Among Us organisé par Fukano avec des rôles. Des rôles de fou. C'est Firof. Oh oui. Oh oui. Il est... Qu'est-ce que je branle? Oh non, j'ai un désavantage Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Ça connecte pas. Mon perso est lotier. J'aurais peut-être pu F-Smash, mais bon. Ah, le P. Sephiroth ! Non, mais stage, je rigole, hein. Pac-Man, c'est top tier. Et si t'arrives pas à faire des résultats avec Pac-Man, c'est que t'as pas de bras. Hein. Je suis désolé de te le dire. Vraiment. Le perso est dur en vrai contre les tops qui connaissent le match-up par cœur, mais... Le perso est vraiment trop fort. En fait, tu vas galérer que contre les gens qui ont de l'XP de fou furieux contre le perso, et du coup, tu vas devoir te mettre à réfléchir quand tu joues, mais... Sinon... Oh oui. En mode 2 frames. Oh là là, en mode 2 frames. Salut étoile, j'ai vu le participant de l'Odyssée, il y aura vraiment Gact? Yep. Il y aura Gact. Il y aura Gact. Il n'y a plus de place malheureusement. Il reste peut-être des... Une toute petite place, encore une ou deux en vrai, mais... En fait, il faut juste que les dernières places qui me restent, je crois que c'est... Je dois faire des invites. Je vais inviter quelques potes streamers. Des potes streamers adorés. Oh, le drag down. Et... Oh le ledge traps. Oh le ledge traps. Oh c'est beau. Je crois qu'il allait waft. Oh la pomme qui va arrêter ses rêves. Stylé. Stylé. Donc si vous venez d'arriver, on attend notre match. On fait le tournoi de notre Discord. Moi je suis en winner round 2. Du coup là je suis en train d'attendre. Je suis en train d'attendre que mon... Que mon match arrive. Je me chauffe un peu. Ouais, le bracket est là. Hop les... Si quelqu'un... Si un modo peut le mettre en command. Le briquet est là. Faut se chauffer un peu, c'est important. Là, c'est juste de l'échauffement. Ok. Je chill.
Oh, magnifique. Stylé. Stylé. Bah, je suis chaud. Je suis chaud en vrai. Bah, attends, désolé. Oh, j'ai pas désactivé. Alors ça, c'est... Ouais. Non, ça, c'est très suspect, ça. Ça, quand tu fais ça, tu es quelqu'un de très suspect dans la vie. En fait, j'ai pas désactivé le truc des terrains. Parce que là, dites-vous que ça, c'est... Là, c'est si on allait en soirée, là. Là, c'est si tu joues avec tes potes sous 6 grammes d'alcool dans le sang, tu peux jouer comme ça, mais... Là, c'est un peu cringos, là. On peut jouer avec des items. Attends, c'est pas normal, ça. Ouh. Hop. Attends. Advanced. Stage. Non, mais mes règles. Non, mais regardez. Stage Asa. Off. Mais c'est quoi cette merde? Mais c'est pas normal. Ça veut dire que je pourrais jamais faire d'arène parce que mon arène est totalement buggée. Mais attends, mais ça a jamais été modifié. En plus, ouais, launch rate 1.1, ça a jamais été modifié. Et ouais, pourquoi j'ai un launch rate 1.1? Parce qu'en plus, c'est même pas cette règle-là. Vous savez que c'est même pas cette règle-là qui est prise. Parce que justement, j'ai pas les hazards. C'est quoi cette merde? Bah ouais, attends, il faut que je refasse. Attends. Attendez. Oh, cette merde. Je délète. Je crée un rule set. Stock. Set. Advanced. Off. Merde. Et je vais mettre le... Je vais mettre le aléatoire. Edit. Random stage selection. Ça, même si c'est une map de merde. Ça. Ça. Ça, 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 la flemme mais bon, ça, et ça. Je suis story la flemme, hein. On laissera les connards la mettre. Et la calo. Voilà. Est-ce que, voilà. Ah, normalement c'est imperdable. Voilà. Items on. Aïe. Merci Dieu. Après les items, c'est toujours plaisir. Hein. Après franchement les items... Un petit coup d'item. Il y en a tellement des objets dans ce jeu. Advanced. Ok, et comment je change le nom? Attends. Changer le nom. On peut pas changer le nom? Merci toi, Kenty. Ouais, c'est un peu trop tard pour s'inscrire en vrai. Mais inscris-toi sur le... Enfin, va sur le Discord et du coup, pour la semaine prochaine, tu rattrapes pas le tournoi. Je vais changer le nom, mais... Oh putain, il y a Musaryu qui s'est jeté dans l'arène. Ouais, j'ai... Bah, je vais pas tarder à avoir mon match. Je pense que je peux en faire une dernière. Je pense que je peux en faire une last. Une der des frères. Oh putain, Lylat. Mais putain! Non, mais c'est... C'est abusé. Mon Smash Bros ne marche plus. Je dois en racheter un. Mais vous avez vu? Vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Alors là... Non, vous êtes témoin. Mon Smash Bros ne marche plus. Mon Smash Bros, c'est un urbex. Il est possédé, ce Smash Bros. C'est quoi, ça? C'est quoi ça?
pourquoi mon Smash Bros c'est un urbex. Mais j'ai jamais... T'as pas besoin de save. À 100% là les objets ils sont off. Vous dites t'as pas save. Bah oui, regardez. Mais oui, regardez. C'est genre mon jeu est mort. Mon jeu est mort, je ne sais pas pourquoi. Attends, c'est pas possible. Attendez, je vais quitter. Non, c'est pas normal. Vraiment que mon jeu est... Merci Leadership. Merci pour le raid, merci beaucoup. Non, mon jeu a une maladie. Mon jeu a une réelle maladie. Hop. Je vous jure. Le jeu subit. Je vais refaire, hein. Mais ça se trouve, je pourrai plus jamais jouer en arène, je vais devoir racheter un Smash Bros. Alors ça, c'est vraiment un bug de fou, quand même. C'est vraiment un bug. C'est un bug qui arrive jamais. Mais Yoshi's Story est la pire map du jeu. Je ne vais pas mettre la pire map du jeu. Yoshi's Story est une map où tu peux pas lancer des objets sur Pac-Man. Stylé. Je préfère Lylat que Yoshi's Story. Vas-y, je mets Yoshi's Story pour vos beaux yeux. C'est bon, ça m'a saoulé. Ok. Try hard. Oh, j'ai pas mis Town. Qui est la meilleure map du jeu? Et random stage sélection. Ah si, j'ai mis Town. Ok. Donc là, vas-y. Je vais faire une arène. Ça a intérêt à marcher, sinon je vais être tout colère. Moi j'ai mis les hasards off et tout. Et je crois que j'ai pas changé les objets par contre. Putain, je voulais me chauffer. Et au final j'ai même pas pu me chauffer. Ah si, c'est bon. Putain, je... Tout ça à cause de Nintendo. Nintendo m'a encore tout pris. Est-ce que quelqu'un peut join très vite? En fait, le tournoi a déjà commencé, mais c'est juste que moi, j'avais un round d'avance par rapport au seeding. Voilà, j'ai mes rules. Quelqu'un peut join? Il y a bien marqué items off. Quelqu'un peut join? C'est 3SRYH, mot de passe 11. Voilà, elle a la flemme quoi. Il sera, yep, il y a un tournoi organisé par mon Discord. 48 participants. Avec Polochon. Et Sirov en notable player. En very notable player. C'est vrai que tu peux pas faire ça avant. C'est trop une dinguerie. Ok, tu le dis. Yeah.
Y a pas d'objet, la vie de rêve. Aïe. Wow, le backer de fou. Je vais essayer de mettre Gorn, mais il peut pas. La tech. La tech. Drifting. Oh, il était cuit ici. Il se prenait le F-tilt. Je tape dans le vide. Je l'ai pris pour un Yankle. Je l'ai pris pour un Yankly. Y'a combien de cash prize? Bah gros, à l'Evo Japan, ils donnent une manette. Tu crois que dans un petit tournoi de organisé par mes viewers, il va y avoir du cash prize? Y'a des sourires en cash prize. Y'a des sourires et c'est déjà beaucoup. Un sub offert au cash prize, let's go! Une dédicace! Stylé. Stylé. Et boum! Bah, tu sais que le up tilt de Pac-Man, qui est un move nul à chier, par contre, en fait, il est très dur à toucher. Mais par contre, quand il connecte, c'est trop la vie de rêve. Le up tilt de Pac-Man connecte sur tout. En fait, tu peux faire up air, ensuite, tu peux faire back air. En fait, t'as trop de récompenses à toucher. Alors, vraiment, quand tu touches. Le upper, c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. La Sutra! Merci beaucoup pour les 5. Pour les 5. Je suis devenu un streamer américain. Thank you for the 5s. Putain, dans une semaine, il y a le cirque d'hiver, il y a l'Odyssée, je suis trop pressé. Ça va trop être une dingue. Je me demande vraiment comment ça va être accueilli. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont regarder sur le stream? Est-ce que les gens vont être aussi hype que lorsque je recast en slip? Est-ce que les gens vont bien accueillir? Ouais, en fait, je me dis que les gens ne peuvent pas. Les gens de ma commune ne peuvent pas mal accueillir les autres casters. Parce que les autres casters, c'est TPK Foster, 5D Black Bigo. Je pense que le seul que mes viewers connaissent un peu moins, c'est Black Bigo. Mais il est vraiment très fort, donc j'ai aucune inquiétude. J'ai aucune inquiétude. Oh là là. Oh là là. Non, je suis échauffé. Non, je suis échauffé. Je suis échauffé. Je suis dans ce putain de truc. Ok. Non, je suis échauffé. Et boum.
Non, je suis dans ce truc. Vas-y, Flynn. Ça va. Oh, bien joué. Oh, il me l'a mis. Oh, le bat. Et boum. D'ailleurs, Étoile, c'est quoi le ruleset de l'Odyssée? Ce sera le ruleset européen. C'est moi qui décide. Et ça m'a... Franchement, ça m'a mis bien. En fait, c'est moi qui décide du seeding. Et c'est moi qui décide du ruleset. Je crois. Du coup, ça met bien. La triche, ouais. Ça met vraiment bien. Non, mais oui, je vais mettre le ruleset européen, je pense. En fait, je trouve que le ruleset, les règles, du coup, pour ceux qui comprennent pas, c'est... en fait, t'as des règles pour bannir des terrains. Parce qu'en vrai, les terrains, c'est quand même assez important. Et t'as des règles qui dépendent des régions. C'est-à-dire qu'au Japon, t'as une manière différente de... T'as une liste de terrains différente. En Europe, t'as une liste de terrains différente. Aux États-Unis, t'as une liste de terrains différente. Et typiquement, les règles du Summit, du coup, aux États-Unis, c'était trop de la merde. C'était vraiment de la giga merde. Ah, y'a mon match! Let's go, y'a mon match. Désolé, Prout, il faut s'en aller. Ok, on va jouer son match. Bah, je vais changer. Bah, vas-y, Maxou, si tu peux venir dans l'arène. En léger. Tu peux venir en léger. 3S RYH, mot de passe 11. Si vous pouvez ne pas join et laisser Maxou. Hop. Winner round 2. Couleur. Je mets ça. Wow, le niveau de production de ce stream, c'est... C'est le GP Explorer ou quoi? Oh, c'est le GP Explorer. Exceptionnel. Alors attendez. C'est une photo quoi. C'est vraiment une photo, c'est vraiment magnifique ce qu'on est en train de vivre. On ressent toute la sensibilité. On ressent tout quoi. Alors attendez. Tournoi du disque, je mets là. Je dois accepter. Check in. Done. Hop, regardez, je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas trop à quoi ça ressemble dans les tournois online, comment tu fais. C'est comme as. Hop. C'est genre tu annonces ton personnage. Genre moi je vais jouer mon Olimar. MDR. Je joue la boule. Je submit. Lui il joue Dr Mario. Donc moi je strike Yoshi's Story parce que cette map n'existe pas. Lylat parce que cette map n'existe pas. Et Battlefield parce que cette map n'existe pas. En fait je supprime 3 maps qui n'existent pas. Donc ça, c'est pas de chance. C'est pas de chance qu'ils ont laissé des maps qui sont censées pas exister dans les règles. Mais bon, c'est pas grave. C'est mes viewers qui organisent le tournoi, je peux pas leur en vouloir. Et donc là, on a le choix entre Small BF et Town City. Alors, il faut savoir que Lil Maxou fait le tournoi à 6 grammes d'alcool dans le sang. Hein, donc c'est pour ça qu'il laisse, Town City open contre Pac-Man. Donc il faut pas lui en vouloir. C'est juste quelqu'un qui a un problème avec l'alcool et qui, du coup, décide de faire le tournoi quand même, mais voilà, on peut pas aller en vouloir. Ça, il faut clairement pas. Il y a aucun souci. Voilà. Non, mais en vrai, je rigole, c'est que il peut vraiment. C'est une très bonne map pour Dr Mario en plus. Mais je sais pas, je me dis ça peut être marrant. Ouais, c'est grave fort pour Doc. Mais je connais un peu. Je connais un peu Dr Mario parce que j'ai joué contre Winder
Et du coup, j'ai un peu la ref. Le perso a grave des trucs, hein. Le perso a grave des trucs, il est pas du tout... Bon, après, il a des grosses faiblesses, mais quand il cogne et quand il est bien... Ah, par contre, on m'avait dit qu'il avait une co suspecte, on m'a pas menti. Il va falloir faire attention. Bon, je vais rien dire. Non, je vais rien dire. Je vais rien dire, je suis quelqu'un de positif et heureux avec ma commu. Je suis positif et heureux avec ma commu. En fait, le problème, c'est que quand ça lag, j'ai pas envie de camper. Et ça, il faut que je me pose, parce que, en fait, si je campe pas Dr Mario, je peux vraiment me faire défoncer. Oh, les combos. Vas-y, t'es tout. Ok. Ok. Les shraps. Ok. Oh, le raclou est sous lag. Il n'y a aucun problème. En mode dash attack. Il a DI up, du coup j'ai up air. Les fakes. Bien joué. Bien joué. Pour l'instant ça va, on a mis. J'applique mon gameplay, j'ai pas peur. Il a pété un plomb. Il a pété un plomb sur le down air en atterrissage. Ok. Sur le papier, toi les meilleurs joueurs du tournoi. Non, je suis 6-3 sur le papier. Polochon est vraiment meilleur que moi. Sirov est vraiment meilleur que moi. Et en vrai, je peux perdre contre pas mal d'autres gens. Et c'est juste genre, sur le papier, je suis théoriquement 3ème. Mais déjà, si je fais 3ème du tournoi, je suis content. Ok, 1-0, on se fait pas piéger. Je banne les 3 maps qui n'existent pas. Et voilà. Pépin. Merde! Merde, non, accepte pas! Il y a une chance sur deux, parce qu'en fait, il a choisi Smashville. Donc il y a une chance. S'il vous plaît, pitié, dites-moi que c'est Smashville. Pitié. Monsieur là. Pas de chance. Ouais, c'est Smashville, c'est Smashville. 1-1. Oh putain, le 1 quoi. Là en fait, j'ai recommencé la partie parce qu'on n'a pas le bon terrain. Oh putain, 1-1. Dommage. Dommage, c'était une bonne game. Attends, est-ce que je mets dans l'overlay le 1-0? Oh là, attends, en mode pro? Attends, peut-être en mode pro, hein. Peut-être en mode prod professionnel. C'est ouf. Attends, je fais ça et je rajoute entre parenthèses BO3. Oh lolo, y'a tout. Hein. Y'a tout dans cette prod. Y'a tout dans cette prod.
Putain, je parle pas trop parce que c'est trop chiant les lags. Du coup, j'essaye vraiment de pas faire de conneries parce que je pourrais me faire baiser. Oh quoi? Non. Oh, c'est hyper dangereux parce qu'il aurait pu réact. Très bien joué, c'est la chaîne. Oh, Eita! Ah, je commence à bourrer parce que tilt. Je suis trop tilt. Je devrais pas jouer Pac-Man quand ça lag. Vraiment. On va juste jouer Wolf. Et faire le teubé. Et le teubé. GG à tous, bravo. Oh non, c'était flippant. Parce que du coup, c'était pas trop du Smash Bros, quoi. Mais bon. Prends ce round. Avec plaisir. On gagne cette partie de Lag Bros. Et c'est un plaisir. C'était... Yeah. Confirme. J'avance dans le bracket et je joue contre la Zelda malaisante de Bayzy. Alors Zelda Online, c'est vraiment les gros problèmes. Zelda, c'est le malaise. C'est très malaisant Zelda. Mais c'est aussi malaisant que Pac-Man. Du coup, on va faire un concours de malaise. Donc c'est ok. On va être tous les deux très cringe et on va savoir qui est le plus cringe des deux. Et le plus cringe des deux va devoir gagner. Ça c'est beau ça. Qui va battre? Qui va être le héros de cette cringe fiesta? Il faut accepter Maxou. Maxou, il faut dire que tu as... Enfin, il faut valider le résultat du match. Bah, je pense qu'on peut enchaîner, hein. Si Bayzy, tu peux venir dans l'arène. Enfin, ça s'enchaîne bien, les matchs s'enchaînent bien, on se régale. Faut lancer le match. Du check-in. Possibilité d'avoir la braquette, please. Ouais, en plus, elle est dans le chat. Mais regarde. Je peux te montrer ça très vite. Là. Hop les. Moi, j'en suis là.
Qu'est-ce que fait Bazy? Oh, il écrit dans mon chat, il... Bazy! Arrête d'écrire merci! il faut dire... il faut check-in sur le site. Sur le site. Le site. Allez. Allez. Bon, PS2. Je vais jouer. Hop, les... La boule jaune. J'ai hésité, je me suis dit est-ce que c'est pas le moment du Wolf, mais en fait j'ai pas pu me warm up dans la game avec Maxou parce que tu peux pas te warm up quand ça lag. En fait tu peux pas faire ce que t'as envie de faire quand ça lag. Bon, le matchup est trop relou. Bah il est hyper relou. Après j'ai beaucoup joué contre Zelda, mais Zelda en online c'est un autre perso. En fait dis-toi que j'ai money match Altec pendant genre 3 BO. Et ça a été tout le temps 3-2, 3-2, 3-2. À chaque fois qu'on s'est joué, ça a toujours été 3-2. Et il gagnait à chaque fois. Et... C'est even. En vrai, c'est pas even. En fait, c'est pas even. C'est juste que en online, le match-up, tu joues pas le match-up. C'est juste genre tu joues sur... Est-ce que ton adversaire va avoir le temps de réagir à la salade que je t'ai envoyée pour la 167e fois d'affilée? C'est ça que tu fais en online. Et c'est pas... C'est genre... c'est pas de la réflexion ou c'est pas du truc en mode... on s'applique et tout, quoi. La figurine derrière moi, c'est Malenia. Malenia de Elden Ring. Small Battlefield. Allons-y. Attention, la production est folle. Encore une fois. Winner round 3. 0-0. BO3. C'est ouf. Une production. Oh putain, c'est rare. C'est tellement dur de spot dodge là. La grappe de pack. Ah, bien joué. Je l'ai mal fait. Que je branle. Utiliser deux neutrales en léger. Je sais que ça va être sa seule option. Ah, j'ai trop mal joué. J'ai trop mal joué. Genre, j'aurais pu le tuer de deux manières différentes. J'ai tout raté.
Oh. Deathmatch. Ouais, il suit la DM. Musique de fou. 1-0. Bon, il a neutral B un peu en panique. Il a un peu paniqué. Il a été un peu en neutral B panique. Alors ça. Alors, il va choisir quoi comme terrain? Oh, elle était trop bien la musique. Moi la musique elle m'a régalé. Ah, on est reparti. Ah, est-ce que Paizy va faire une Paizy, c'est-à-dire il perd avec un perso et il va prendre un perso sur lequel il est nul alors qu'il a une très bonne Zelda? Oh, c'est peut-être la spéciale. C'est peut-être la spéciale, il va peut-être nous faire la spéciale là. Oh, il va pas oser quand même. Il va pas nous faire le je perds game 1 into je prends un perso random game 2 trou combo. Non, il va pas nous prendre sa palu quand même. Il va pas nous faire là. Quel est le match-up que Pac-Man perd le plus? Je prends pas du Tena. Oh non. Oh putain. Ok. Oh, quel est le pire match-up de Pac-Man? Oh bah vas-y. Vas-y, on va prendre Palutena, on va appuyer sur le bouton. Oh bah le fun. Oh le fun, une dingue. Tout le monde s'amuse. Ah, j'aurais dû prendre Wolf quoi. Je suis là-bas, il a bien commencé la game, du coup là il va camper. Oh ça va être dur là. Trop mal commencé la game. Bon, Palutena c'est très dur pour Pac-Man. Parce que le perso a vraiment tout. Mais si tu joues bien et rigoureusement, ça peut le faire, mais... Et c'est vraiment pas facile. On va s'appliquer, on va jouer rigoureux et ça devrait le faire. Oh, il a fait vraiment une option de fou. Non. Quoi? Pas de chance. Je te laisse pas faire, t'inquiète. Oh, bien joué ça. Je suis trop nul par contre. Je joue vraiment très mal. En fait, il y a trop d'options que je suis censé punir et je les punis pas. Je sais pas. Je suis pas dedans. Fusil flame.
Non, mais je suis trop nul. Vraiment trop nul, là, il se passe quoi? Je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé comme un prince. Après, c'est un viewer adoré. Je peux pas le laisser se suicider, c'est un viewer adoré. Oh, nice tech. Elle est là. Oh, le reset de neutral. Oh non, la hurie de la bourgade que je suis. Ok. En mode fun. Et c'est gagné. Nous avançons au winner round 4. Ah, pas Lutena, c'est... En fait, je trouve que c'est un perso qui demande un peu de warm-up contre. Quand t'as jamais joué contre, dans la journée, là, dois un peu t'adapter. Merci toi, EasyD. Bon, allez, on drop pas de... On drop pas de game pour l'instant. Malgré les cringe counterpick. On se fait cringe counterpicked et pourtant. On s'en sort. Putain, Mixed. On joue contre Mixed qui a dû affronter un autre Pac-Man. Du coup, la Mixed se double pack. Il est bien warm-up contre pack. Bien échauffé. Bon, bah là, c'est un top 8 qualifier. Nous sommes en top 8 qualifiers. Ah, il est bien galbé dans le match-up. Bien échauffé. Bien dans ce putain de truc. Alors. Bah, go Mixed, je pense. Je pense que les... Putain, les games s'enchaînent tellement vite. Quel taf. C'est vraiment une organisation exceptionnelle. Je me SD pas, game 1 t'étais finito. Oui mais Staz, avec des si tu ferais pas 1-2 au meltdown quoi. En vrai. C'est un peu ce truc quoi. Et bon, y a rien. Hein. Tu prendrais pas ton Wolf? En vrai j'ai peut-être envie de jouer Wolf là. Que ce serait pas mon Wolf? Ce serait pas mon Wolf. En fait, j'aimerais bien le sortir de temps en temps. Le problème c'est que le Lucina Pac-Man, j'aime bien quand même. Je trouve que c'est intéressant à jouer et j'ai besoin. En fait, vas-y, j'ai juste envie de jouer Pac-Man première game pour voir si Staz l'a réglé une dinguerie. Et on verra. On va jouer Pac-Man première game, on va voir. On va vous dire.
Merci Darth Treden. Alors, où est-ce qu'on va aller? Small BF ou PS2? Pff, en vrai, les deux maps, c'est un peu pareil. En vrai, c'est quoi le secondary optique quand tu joues pack? Franchement, je dirais min-min. Franchement, je dirais min-min. Min-min, c'est vraiment trop fort. En fait, min-min, c'est souvent un secondary de zinzin. Allez. Small BF, ouais. Et... allons-y. Oh la Uri. Oh la Uri que je suis. Oh bien joué. Ok, il joue assez offensif. Il va falloir... alors jouer un peu plus calme. Il tape beaucoup là. Ça a de l'adaptation cette game. Ça va camper hein. Stylé, c'est dans mon chat, il y a tout le monde pour mon adversaire. C'est plaisir. La vie de jouer à l'extérieur. Merde. Bien joué. Bien joué là. Merci au Nutrem. Hein. Peut-être le meilleur. Oh, il a pété un peu. Oh merde, j'ai... putain, mais j'ai laissé le message dans le chat, je me suis fait ledge trump. Oh la merde. C'est mérité. Totalement mérité. J'espère bien te faire fumer par ta commu, mais je peux. Hein. Je peux largement me faire fumer par ma commu. Hein. Oh, c'est mal joué. Qu'est-ce que je joue mal? Moi, j'y arrive pas là. Faut que je l'arnaque sur un truc, mais... ça tue pas. Ouais, il est chaud. Je joue bien là. Je pense que... qu'est-ce que je dois faire de mieux?
Ouais, faut que je... En fait, je pense qu'il faut vraiment que j'arrête de jouer avec lui. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'adaptation. J'ai l'adaptation. Et de lire le chat, mais il faut lire le chat. Si on lit pas le chat... Dans quel monde on vit si on lit pas le chat? Bah non, je suis pas assez précis dans mes punishes. Genre, je suis pas dans le... Trop de moments où... où j'ai un peu trop des hitbox. Mais il bourre beaucoup. En fait, il bourre beaucoup et quand tu tapes... En fait, quand tu bourres beaucoup et que ça touche, ça veut dire que tu bourres bien. Et quand tu bourres bien, il faut faire... faut faire attention, quoi. Mais... Vas-y. Ah, vas-y, on va mettre la tente, hein. On va aller sur PS2. On va sortir la tente. Hop. Et boum. Petit PS2. En mode tente. En mode adaptation. 0-1 comfort zone. Hop les. Le fun! Le fun! Cache-moi. Qu'est-ce que je joue mal? J'arrive pas. Oh. Tenter. En vrai, le risk and reward était quand même ok. Bien joué. Ah, oh, je suis trop nul.
Putain, c'est fou à quel point j'ai trop de mal à être régulier dans mon envie de camper. Genre là, j'ai arrêté de camper. Je suis en désavantage depuis une heure. Et... la mer. Joue mal. Hi. Allez. Ah, bien joué. J'ai dormi. Non, je suis trop nul là. Je pense qu'il faut vraiment que je change ma manière de jouer. Ah, tu vois, là, je suis si nul. Pff, qu'est-ce que je suis nul. Oh là, c'est vraiment, c'est grave quoi. Ah, je suis trop nul. Genre vraiment. Je joue trop mal. Ok. Ouais, c'est une DI un peu sus. Après, c'est dur à DI parce que tu t'y attends pas. En fait, déjà, si le mec tech pas, il va pas s'y attendre quoi. Ouais, dans la douleur, je sais pas. En fait, j'avais grave le lead, j'avais une stock d'avance et. J'avais mon saut et j'ai pas claqué mon saut. Putain, je vous jure, c'est trop dur de jouer à l'extérieur, quoi. Je joue à l'extérieur. Moi, je suis pas habitué à ce que les gens me détestent. Et je vous jure que c'est compliqué. Mais depuis que j'ai enlevé le chat, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile depuis que j'oublie le chat. Ah, je crois... Oh merde, je crois que je me suis trompé. Je pense qu'il y a une map que je voulais ban et que j'ai pas banni parce que je pensais qu'il y avait 4 bans. Je pense que c'est un gros problème. Voilà, voilà, c'est cette map que j'ai pas banni. Pas de chance. FF, go loser. Ok. Ok, ok. Putain, c'était... Je sais pas pourquoi je sors pas Wolf dans les situations comme ça. Je devrais vraiment jouer Wolf. Je devrais pas jouer autre chose que Wolf. Qu'est-ce que je branle? Et une stock, je l'ai 0 to death et je fais ça quoi. Et vraiment, c'est grave mon level. Je fais des micro-siestes entre les stocks quoi, c'est...
Bien joué. Bien joué là-dessus. Oh. Oh, j'ai mis Simpou 3 fois, je mérite de la perdre la game. Hein. Ouais. Oh, qu'est-ce que je suis nul. Vraiment, c'est... Là, c'est frustrant à quel point j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. Et bon, on prend la game. Bien joué, Mixed. Ah, on prend cette... On se qualifie en top 8, mais dans la douleur. Hein. Vraiment, dans le... dans la douleur. Dans le... Dans le manque de précision. Non, j'ai mal joué. En fait, c'est pas du... comment dire? Pas du manque de respect et tout, tu vois. C'est juste du... Bah là, sur la dernière stock, j'ai raté 3 fois le fait de le tuer. Je l'ai mis 3 fois dans la cloche et 3 fois, j'ai pas de dash F smash. Ce qui, bon... c'est un peu... C'est un peu sus, quoi. C'est un peu suspect, quoi. Et bon, dans vos gueules, le chat, bande de merde. Voilà. Ça vous apprendra à être à 99% contre moi tout le temps. C'est mérité. Dans vos gueules. À jamais être pour moi. À être pour votre pote et à spam le chat pendant un siècle. Au lieu d'aller sur son stream à lui. Allez hop. C'est mérité. C'est mérité. Allez hop. J'aurais dû permaban toutes les personnes qui étaient pas pour moi. J'aurais dû permaban tout le monde. Pour avoir un stream totalement totalitaire. Ça, ça aurait été bien, ça. Ça, on se serait régalé, ça. Bon, du coup, là, c'est le moment où je me fais casser la gueule, c'est ça? C'est le moment où je ne prends pas une stock. Contre Polochon. C'est donc ça. C'est le moment où je me fais baiser, c'est ça? Ok. Bizarre. Ambiance bizarre. Ambiance un peu macabre. Ok. Alors, que va jouer Polochon? Est-ce que Polochon va faire le Polochon et ne va pas jouer Min Min? Alors. En tout cas, le tournoi est tellement bien organisé, ça fait plaisir. Très bonne prod. Je lui donne le Yo. Bah le problème c'est que là là le souci c'est que vu comment j'ai galéré contre Mixed, qui est un très bon joueur hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est pas la même galaxie que Polochon quoi, donc il va falloir step up son game. Faut step up son game. Oh putain, du coup Antorod a perdu contre Monet Bison. Aïe aïe aïe. Premier vrai upset. Merci Akiro.
Alors, qu'est-ce qui nous sort ce polochon? Alors, moi, je... Ça. Putain, polochon, il joue DK et le pire, c'est qu'il va gagner, quoi. C'est ça qui me casse les couilles. Et son pseudo, c'est Futur Top FR et c'est réel. Ouais, je vais win. Ah oui, c'est pas toi, polochon. T'as le même pseudo que lui. Le mec, son pseudo, c'est Futur Top FR et c'est totalement réel. C'est ça le souci. Bon, j'ai laissé Town et Small BF, il va aller sur Small BF à 100%. Parce que Small BF, tu peux ding-dong, mais bon. T'as pas intérêt à perdre contre DK. Sirof, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué quand tu joues DK. En fait, quand on joue, moi, je connais grave bien Aegis maintenant, mais... DK, DK, c'est bizarre, hein. Ah non, il a choisi Town. Pourquoi il a choisi Town? Ok. Oh. Qu'est-ce que je prends? Et pourquoi je mâche pas aussi? Non mais je suis le pire joueur. Non mais... Ah non, y'a rien, on fait tous des erreurs, je vous rappelle que j'existe, y'a aucun problème.
Bien joué. Ah. Ok. Ouais, bon. Son DK, il va prendre. Son DK, je pense qu'il... m'a un peu sous-estimé. C'est BO5 ou BO3, les amis ? BO5, ok. Bah logique qu'il ait pris DK du coup. DK à la plonge. Bon, on aura pris une game quoi, ce qui est beau. Mais là ce qui est fort c'est que du coup, il annonce pas son perso, donc je sais pas quel perso il va prendre. Et ça c'est trop relou. Parce que dans ce rule set, je sais pas quel perso il va prendre, donc ça veut dire que il peut prendre techniquement tout. Et il peut se passer des dingues quoi. Ah, bâtard, t'as peur? Ah, bâtard, t'as peur maintenant? Tu transpires? Ah, tu transpires? En vrai, ça me fait plaisir parce que je connais pas le match-up, vraiment. Donc, quand tu connais pas le match-up contre un joueur de fou... En fait, ça me fait plaisir d'avoir de l'expérience. Je pense que ça va être très dur. Mais au moins, je vais pouvoir apprendre, quoi. En fait, dites-vous que Polochon, au dernier tournoi, je devais aller le voir pour qu'on freeplay et j'ai pas eu le temps. Il avait accepté. En fait, j'ai vraiment envie de jouer contre lui pour comprendre Min Min. Parce que vraiment, je trouve que Min Min en on, MDR. Déjà que le perso, même en... Enfin, dans les deux, c'est trop fort, quoi. Tellement dur. En plus, il a pris Min Min FD parce que je pouvais pas savoir quel perso il allait switch. Du coup, je me suis fait un peu casouillette sur FD. On aurait pu être des gros dégâts ça. Très bon grab. Ah,
Non, je suis trompé. Je suis trompé. Non. Le teubé. Ça peut tellement bien comme Pac-Man, mais non, c'est fou. Après, je pense que c'est parce que je connais pas les... J'ai pas les solutions. Ouais. Bien vu. Ok, 1-1. 1-1. Putain, c'est si dur. C'est si dur de zone break. Non, non, je sors pas le Wolf, j'ai envie d'apprendre. En fait, je m'en fous de perdre, je... J'ai tellement pas l'occasion de jouer contre Min Min. Là, il faut que j'apprenne le match-up. Et sur des... En fait, c'est dans les match-up que... Enfin, c'est dans les matchs comme ça que t'apprends les match-up. C'est en jouant... En jouant dans les trucs tournois. Qu'est-ce que je prends comme ça? Je vais tenter... Je vais essayer PS2. C'est PS2, je vais voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne PS2? Non, je vais prendre de l'XP sur le match-up, je comprends. En fait, je comprends vraiment pas. J'ai pas assez étudié de VOD pour voir quoi faire. Et du coup, je pense que... Je vais apprendre. Je suis pas donc j'ai pas osé. Non. Je branle. Oh magnifique, oh, il est chaud. Oh il est chaud de ouf. Il est tellement fort. Putain, j'avais fait un bon début de game mais j'ai fait une erreur d'inattention. Le side B et du coup là maintenant il a le lead et c'est trop dur. Ouais, je pense que je peux vraiment lui prendre des games mais... Le problème c'est que tu n'as pas le droit de faire une erreur. Ouais, je fais une erreur parce que je suis con et c'est fini. Vas-y, go next. En fait, s'il a lead, le match-up se joue vraiment dans la première stock. S'il a lead, c'est terminé. Oh, ça tue pas.
Ok. Putain, j'ai le seum, j'avais bien commencé la game et j'ai fait ce side B. Post marine. Putain, ok, ok. 2-1. Il y a 2-1 pour lui. Le match-up, ouais, le match-up est dur, mais en vrai. En fait, il est dur, mais. C'est grave faisable. En fait, c'est casse-couille. Mais là, je perds pas à cause du match-up, je perds parce qu'il joue mieux. Genre là, je perds vraiment parce que. Même au début, j'avais grave les outils, j'étais bien, j'étais devant. Et je rate un confirme, où normalement, il doit mourir. Parce qu'il rate la tech. Après, je fais side B sur le terrain. Non, je peux vraiment le battre en vrai. Je peux lui prendre une game quoi. Vas-y, on va re-PS2. C'est trop dur, j'en peux plus, j'ai plus envie de jouer. Ah, c'est trop dur. Et là, je refais une erreur parce que je suis impatient. Voilà, et du coup, il a le temps de setup. Non.
Non. Elle était dans la clochasse. Oh, 51, ok. Alors peut-être. Non. Est-ce que c'est chiant ce perso de merde? Bon, en vrai, je suis content, j'ai mieux joué, mais. Mais putain. Ok, j'ai mieux joué. J'ai mieux joué. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Ouais, c'était. C'était un peu mieux. Ah, il est trop fort, hein. Il est vraiment trop fort. Il est trop fort, mais content, je m'en suis bien sorti sur la fin. Je pense avoir compris les outils, est-ce que je dois bait, est-ce que je dois punish, mais vas-y.